de drame jusqu'à aujourd'hui. Et il n'est même pas capable de présenter ses excuses vis-à-vis de ces victimes qui ont subi donc un jour, le 18 décembre 1975, ce déplacement forcé et qui a bien sûr laissé beaucoup de séquelles et beaucoup de douleurs dans cette population. Donc, si vous permettez, je donne la parole 10-15 minutes maximum à Sidi Mohamed Cherbaoui pour qu'il nous apporte ses impressions et sur le livre qu'il a bien voulu lire dans sa forme numérique, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le voir dans l'état physique et papier. Je dirais aussi que pour l'anecdote, c'est que, comme j'ai dit dans la présentation du livre à Rabat, ce livre va être dans les annales de l'édition, parce que c'est le premier livre qui est produit de WhatsApp. Et vous allez comprendre pourquoi il est produit de WhatsApp, parce que Moulay et Fatiha vont vous parler sur l'histoire et la genèse de ce livre qui a été produit via le WhatsApp. Sidi Mohamed, à toi la parole. Merci, c'est Abdelzak. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est vrai que ça me fait un grand plaisir de voir, 4 ans après, que j'avais ouvert la voie avec un livre qui cassait le silence sur un événement qui a touché plus de 45 000 familles marocaines, du moins de familles d'origine marocaine. Et aujourd'hui, donc, je vais surtout dire ce que ma lecture critique d'un livre qui m'a beaucoup plu, mais je suis parti pris quelque part. Donc je vais démarrer par la préface qui est faite par Driss Lyazami en tant que président de CNDH, et dont le titre c'était « Un si long déni ». Et j'ai bien aimé une phrase, parce qu'à travers la préface, on ressent toute la profondeur du livre et de la tragédie, quand il dit « Car les anciens partent inconsolables, les survivants habités par un sentiment d'injustice et d'incompréhension et empreints de nostalgie et de chagrin. » Donc le titre m'a intéressé parce que dès mon écriture de mon livre, j'avais dit que la vie m'a enseigné que rien ne peut se construire dans le déni et l'oubli. Parce qu'on a fait le déni, nous, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on a... Et finalement, aujourd'hui, je me sens mieux depuis que j'en parle. Et j'avais toujours dit que l'oubli, c'était un deuxième crime. La préface m'a fait plaisir parce que les fourmis prédatrices, c'est d'abord la violation des droits de l'homme. C'est d'abord des souffrances d'innocents qui ont vécu des décennies en Algérie et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans un pays de leurs parents, que c'est un pays qu'ils ne connaissaient pas, que c'est un pays que nous ne connaissions pas. Mais certains de mes amis, d'ailleurs, disent que c'était bien que vous soyez revenu au Maroc, que le Maroc a profité de vous. Alors, dans l'introduction, Fatiha Saidi insiste bien sur sortir de l'oubli. Et moi, j'ai appelé ça le chapitre de l'Aïdiv. De l'Aïdiv par analogie aux villes d'Iv. Je reviendrai dessus. En fait, l'introduction annonce tout de suite le désastre. En plein grande fête de l'Aïd d'Al-Kébir, ces expulsés massifs ne sont pas un simple fait divers de l'histoire. Les souffrances endurées par des milliers de personnes de cet hiver 75 restent des plaies béantes, les victimes forcées de remettre les compteurs de leur vie à zéro. Dans l'introduction se pose également la question, devoir de mémoire et de vigilance, afin que des épisodes aussi dramatiques
que les expulsions de l'IDIV 75 ne se reproduisent plus jamais. Nous disons toujours ça, qu'elles se reproduisent plus jamais. Malheureusement, elles se reproduisent différemment ailleurs. Et les événements actuels du Moyen-Orient nous montrent qu'il y a des milliers de réfugiés aussi qui quittent leur pays de naissance et leur pays où ils ont vécu. Puis ce livre se divise en plusieurs périodes. Vous avez une période que j'ai appelée la période d'Éden, qui date de 58 à 75. C'est une période, c'est ce que le livre appelle la belle époque. C'est celle où l'enfant Mohamed Moulay, malgré que l'Algérie soit en pleine guerre d'indépendance, il dit toujours qu'il est entouré de l'amour de sa maman. D'ailleurs, il nous confirme dans ce paragraphe le lien fusionnel qu'il y a entre les Maghrébins et leur maman. Et on le ressent bien dans ce livre. On apprend aussi que Oran, la ville où il habite, est d'une grande diversité. Parce qu'il y a des Algériens, il y a des Marocains, des Espagnols, des Pieds Noirs. Et tout ce monde-là vit dans l'harmonie. Il y a beaucoup de Juifs, tout à fait. Après, il nous fait découvrir un outil qui s'appelle le Mistigri, qui est un outil pédagogique très répandu à l'époque et dont je peux témoigner et que vous pouvez découvrir dans le livre d'ailleurs. Hein, qui est... On découvre aussi la plume et l'encrier. Et que la plume doit être toujours arrimée au doigt. Plusieurs personnages apparaissent dans cet bel épisode. Les parents, les grands-parents ont passé un bon moment dans leur ferme. L'ami Yves, le vieux Thio Botin, l'espagnol vendeur de tirelire, Chantal, qui lui fait tourner la tête. Et puis à l'école républicaine. L'école républicaine qui est une chance pour les familles du Muni, parce que les livres sont pris en charge par l'école, parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement, et il y a le sérieux, et il y a l'égalité. On apprend l'égalité en femmes. Et c'est là où il va avoir l'amour de la langue française, qui va prendre le dessus même sur la langue maternelle. Parce qu'on va savoir que sa langue maternelle... et ambivalente. Donc cette période est radieuse. Cette période est radieuse et c'est résumé dans le livre en disant « Ma saison préférée est le printemps, celle qui ramène la nature à la vie. » Le printemps, ce sont des couleurs, les arômes. Je m'en donne à cœur joie. Le bonheur à l'état pur. Et puis, dans cette belle époque, va arriver une deuxième phase. C'est la guerre d'indépendance d'Algérie qui va arriver dans le village. Dans le village qui est cimenté par un vivre ensemble qui tourne autour du football. On a les grandes équipes de l'MCO, le Mouloudia Club d'Oran. L'Union sportive des musulmans d'Oran. Alors, ça traduit l'époque, ce qu'on appelait l'équipe LUSMO, l'Union sportive des musulmans d'Oran. Avant l'indépendance, tout le monde était que musulman, qu'il soit algérien, marocain ou tunisien. Ce qui va être plus le cas après l'indépendance. Dans cette période où, quand la guerre arrive dans le village, les Marocains sont torturés. Car ils se battent aux côtés de leurs frères algériens. Dans leur tête et dans leur corps, ils étaient musulmans, frères, arabes, rifains. Ils se battaient pour libérer ce pays. Beaucoup connaissent la guérilla, parce qu'ils faisaient partie de la grande immigration des rifains du Maroc vers l'Algérie en 1921, quand Abdelkrim Khattabi va partir sur l'île de la Réunion. Et donc, vous avez une grande vague de rifains qui vont s'installer à Oran.
Et pourquoi Oran? Parce que Oran, c'est une des villes algériennes qui a été vidée suite à la guerre avec l'émir Abdelkader. Et c'est ce qui fait que c'est une ville qui va avoir beaucoup de Marocains et d'Espagnols et de Juifs. Dans cette période, on parle de l'OAS. L'OAS, c'est l'organisation armée secrète qui était constituée de pieds noirs et qui a lancé la terreur en Algérie parce qu'il assassinait tous les Marocains et Algériens, tout ce qui était musulman, sans distinction. Et comme le livre le dit, dans le village, tout le monde tremble de peur. Et puis vient le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie. Je me rappelle, mais Mohamed en parle, on a tous crié « Tahia al-Jazair ». Vive l'Algérie. Et on y croyait. On y croyait, et on le voit dans le livre, l'Algérie, c'est son pays. C'est même pas son second pays, c'est son premier pays. Le premier départ, le village va se vider parce que les pieds noirs, les Français, les Juifs vont partir et les Espagnols vont quitter le village. C'est le premier grand départ. Et les maisons des Français sont gérées par une administration qui s'appelle les biens vacants. La politique décide autrement des choix des populations, parce que ces populations voulaient rester en Algérie. On reviendra sur les biens vacants dans le livre, puisque l'administration des biens vacants va gérer également les biens des Marocains qui vont quitter l'Algérie en 1975. Et puis arrive un épisode important, en 63, ce qu'on appelle Harb al-Rimal, la guerre des sables. C'est la première guerre qui va opposer le Maroc à l'Algérie. Et on sent l'hostilité qui va monter dans l'Algérie. Et le père de Mohamed devient méfiant et commence à se sentir étranger. Puis s'installe un débat sur l'identité. Qui sommes-nous? Sommes-nous des Algériens? Sommes-nous des Marocains? Sommes-nous les deux? Certains vont faire le choix de quitter l'Algérie. Je crois que parmi les familles comme Fatiha, on sent ces départs des Marocains des années 63, 64, 65. Beaucoup s'installeront d'ailleurs en Belgique et en France. Et puis, il y a un moment dur qui va arriver chez Mohamed. C'est qu'il arrête ses études et dit-il, toutes les portes se referment devant mon nez. Clac. Parce que les Marocains ne peuvent pas travailler en Algérie en étant administrativement marocain. Alors il décide à 24 ans de partir en Belgique, à Bruxelles. On voit que ça vient de loin, Bruxelles. Hein, il part exactement le 9 sur 9. Le 9-9. Le 9 septembre, tu pars sur Bruxelles d'ailleurs. Hein. Alors il retrouve l'interculturel, il retrouve quelque chose qu'il a vécu en Algérie, l'interculturel, à la mine de Beringen. On entend parler arabe, berbère, grec, turc, et bien sûr français aussi. Mais il est en Belgique là. Mais il raconte aussi la dureté de l'immigration. Et finalement, la Belgique, ça se passe pas très bien, il revient en Algérie via Alger, il revient à Oran. Il revient en début novembre 1975. Et quand il arrive à la douane, on lui dit « N'ta Marocki ». Vous êtes marocain. Et déjà, on l'arrête. On vérifie son passeport. On est en début novembre. On est dans une période où il y a la marche verte au Maroc. Les Marocains sont vus différemment. Et puis, il y a la période dure. 75-80, que j'ai appelé Aïdiv,
Aïdiv, parce qu'en France, on a le Veldiv. Le Veldiv, c'est le grand rafle du vélodrome d'hiver en 1942. Et je trouvais qu'il y avait une analogie à faire entre les deux événements, même s'ils sont très différents. Et là où je trouvais qu'elle avait fort, ils ont fait fort, c'est qu'en 1975, il y a la déportation. Et qu'est-ce que vous avez dans le livre? Eh bien, vous allez voir que dans le livre, à la page 75, l'expulsion de 75 démarre. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais c'était une très belle image qui m'a beaucoup surpris dans ce livre. Et ça démarre par « Ils ont expulsé mon père et mon épouse », dit mon père avec une voix blanche. Donc c'est le père de Moulay qui parle. On expulse son grand-père qui a 80 ans. Et on a peur que ce grand-père de 80 ans dépose les bombes à Alger. Les choses se précisent par la suite. Ils ont été expulsés vers le Maroc parce que les médias sont... Il n'y a aucune information en Algérie. On apprend que... Et dans ce froid glacial de décembre 75, vient traduire cette dureté de cet exil et comment ce grand-père de 80 ans doit recommencer sa vie à zéro parce qu'il part les mains vides. Et puis vient tout le débat sur la dignité, le sens de l'honneur. Parce qu'à cette époque-là, on peut prendre la nationalité algérienne. Mais le père de Moulay refuse. Car on a atteint le point de non-retour. Et là, je me réfère à Amin Malouf. Amin Malouf qui dit dans son livre « Les identités meurtrières » que notre identité, elle est multidimensionnelle. Il est... Moulay est d'origine marocaine, il est algérien, il est un peu noir, il a différentes identités, il est un peu belge. Mais parce qu'on l'a attaqué sur sa marocanité, c'est cette identité qui va sortir en premier et tout l'honneur va se identifier à sa marocanité et il va être fier de revenir au Maroc. Mais il y a des mots très durs qui sont dans le livre, qui traduisent l'ambiance de l'époque. L'air devient irrespirable, anéanti par la douleur. Ils vont nous égorger, dit la mère. On sent que à travers tous ces mots, ce que ça traduit. Et puis il y a l'arrivée à Oujda. Mais je ne vais pas vous raconter tout le livre, vous verrez. Et puis, il y a tout après un champ lexical et sémantique qui va toujours dans le même sens. L'humiliation, l'incompréhension, pourquoi on a été déporté, se réfugier dans la prière. J'ai souvent surpris ma mère à plusieurs reprises en train de pleurer en priant. Et puis, il y a de la philosophie. Oublie le mal, il t'oubliera aussi. On voit qu'il y a une recherche des forces pour s'en sortir. Et puis il y a une partie où on voit l'itinéraire d'un homme qui est en train de se reconstruire. De 1980 à 2011, où il va se marier, il va avoir des enfants. Il va même dire un nouveau paradis. Logement de fonction dans la forêt de Harhora. Voilà. On voit à travers cette écriture que l'homme a des forces au fond de lui, qui va chercher tout au fond pour se reconstruire. D'ailleurs, il va même changer de nom. Il va plus s'appeler SNP, son nom patronymique. C'était le nom donné en Algérie aux Marocains. Il va avoir un nom qui s'appelle Moulay. Et puis, il a parlé du silence des
30 ans de silence. Il a fallu une minute pour détruire 45 000 familles. Il a fallu 30 ans pour que cette masse se réveille. Et puis il y a la nostalgie du paradis perdu. Il y a un moment que j'ai bien aimé et que j'ai fait l'analogie avec la vie de Caïn quand il tue son frère Abel. Dans ce meurtre fratricide, on retrouve toute cette analogie entre les frères marocains et les frères algériens. Et puis à la fin, pourquoi ce livre? Pour la mémoire aussi. Et je dirais, je ne suis pas d'accord sur un paragraphe sur la transmission. Il dit, il n'y a pas de transmission. Je dis, si, le livre était la meilleure transmission entre générations. Et puis je pense qu'il retrouve la dignité quelque part par l'écriture. C'est une forme de thérapie des angoisses et des drames. L'écriture permet, comme l'art, permet de s'en sortir. Voilà, je vais conclure, cher Abdelrazak. Je vais conclure, et comme dit Fatih Al-Saidi dans la préface de La Marche Noire, la route de la mémoire est longue, mais il faut la prendre, même si elle est douloureuse. Je fais également appel à la critique de mon ami Leïla Imer Houren, qui dit « Le témoignage de Mohamed Moulay, je veux dire, est une supplication pour que le souvenir de cette tragédie ne s'éteigne pas, que son ampleur ne s'enfonce pas dans un oubli voulu par ceux qui l'ont perpétré et qui ne veulent toujours pas le reconnaître. Donc que cette tragédie de l'Aïdiv soit reconnue par l'histoire. Et merci. Merci, Si Mohamed. Mais laissez-moi vous dire que il y a quelqu'un qui ne va pas être content de l'intervention de Si Mohamed Chrafawi. C'est l'éditeur. Parce qu'il a dévoilé tous les secrets du livre. Donc ça va pas vous donner l'envie de l'acheter. Donc l'éditeur ne sera pas content. Donc, moi, j'aurais aimé ne pas dévoiler tous les secrets de ce beau livre, parce qu'il est vraiment appétissant. C'est un livre qu'on lui lit avec plaisir. Même s'il est plein de moments de douleur et de chagrin, mais c'est beau à lire. Donc, je vous invite à ne pas prendre en considération la tentation de Si Mohamed qui a dévoilé tous les secrets du livre. Donc je passe la parole à Si Mohamed Moulay, donc l'auteur du livre, bien sûr avec Fatih Al-Saidi, en lui demandant d'être un peu plus bref, mais en lui posant d'abord une question sur le fait Chrafawi l'a dit dans son livre. C'est en fait l'écriture comme une thérapie. Donc vous êtes des victimes directes de ce drame. Vous l'avez vécu. Et éventuellement, vous avez à un moment décidé de dévoiler votre version des faits. Et vous témoignez sur cette souffrance. Donc la question qui se pose, est-ce que vous êtes guéri de cette blessure? Tout à fait, oui. Salam alaikum. Bon, je me présente, c'est Moulay Mohamed, le co-auteur avec mon ami Fatih Al-Saidi. Voilà, l'idée m'est venue il y a très longtemps de ça, que j'avais l'intention d'écrire ce livre. Et c'est grâce à l'aide de mes amis Fatih Al-Saidi et Mohamed Chrafawi. Tous deux, ils m'ont encouragé à écrire. Et d'ailleurs, je suis très content d'être ici présent devant cette assemblée. Et voilà, le jour où j'ai eu cette idée, c'était sincèrement, j'étais
très marqué, très touché de, durant toutes ces années. Je vivais dans une déprime constante et j'ai jamais réussi à oublier les affres du passé. Sachant que cette aversion commise par l'État algérien à cette époque m'a bouleversé. Il n'y avait pas que moi d'ailleurs, il y avait des milliers de familles qui sont... Ils étaient malades, sincèrement, très malades. Ils ont toujours cette douleur, ils la portent toujours en eux. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont morts, Allah yarhamhum, et sincèrement, ce livre, c'est vrai, c'est une thérapie, il m'a beaucoup apporté. Donc c'est grâce à ce livre-là que je me ressens. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que Mohamed Safaoui, il a révélé il a parlé du livre en entier. Je ne trouve pas les mots à dire. Sauf que j'ai quand même un petit passage que j'ai envie de lire, si vous me le permettez. C'est une conclusion provisoire que j'avais écrite, moi et Fatiha. Alors là, mes yeux sont noyés, chaque moment, chaque événement, il fait monter un filet d'eau. Depuis ce mois de décembre 1975, un traumatisme, un tatouage indélébile, un sentiment d'injustice profond, une amnésie collective indicible. J'ai laissé ma joie de vivre à la frontière algérienne et les images de violence, d'injustice, d'arbitraire me collent à la peau. Elles font partie de moi. Et je les trimballerai jusqu'à la fin de mon existence. Je ne peux oublier ces moments car aucun geste n'a été posé pour me permettre de faire mon deuil et enterrer ce déchirement une bonne fois pour toutes. Faire le deuil d'une vie détournée, du rapt de mémoire dont j'ai été victime, ainsi que des milliers de familles et de personnes, je n'ai rien pu transmettre à mes enfants de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte. Aucune photo, aucun objet à leur montrer pour témoigner quant à mon passé, mon enfance, mon adolescence. Alors, sans aucun outil, hormis ma mémoire, j'ai préféré me taire. Je ne leur ai rien raconté du tout. À l'instar de nombreuses personnes expulsées, à la parole, elles ont préféré le silence. Elles se sont ramassées sur elles-mêmes et ont enfoui cet événement anxiogène. Peut-être est-ce un réflexe mécanique. Elles ne peuvent parler car la gorge est nouée, les cordes vocales écrasées par un abcès qui ne s'est jamais vidé. Comment ne pas être prise à la gorge au triple lorsque vous êtes jeté à la frontière d'un pays où vous devez simuler une seconde naissance, la naissance d'un enfant non attendu, ni berceau, ni layette, ni biberon. Alors place est faite à l'organisation dans la précipitation pour qu'il ne meure ni de froid ni de faim et qu'il ait en moins un toit au-dessus de la tête. Je remercie le Maroc, mon pays, qui a joué son rôle de père en accueillant son enfant brutalement renvoyé vers lui. Il m'a, après m'avoir protégé du froid et de la faim, permis de m'intégrer à un environnement nouveau. Il m'a fait grandir, aider à en trouver un emploi. Je ne peux nier que mon pays m'a soutenu comme il le pouvait, car les moyens de bord étaient dans la cacophonie inhérente aux événements inopinés. J'ai réussi à me frayer un chemin en sortant quelque peu de l'abîme dans lequel j'ai été propulsé, mais je reste toujours abîmé au profond de mon être et surtout dépossédé de ma dignité. Recouvrer ma dignité et ma quête ultime ne peut passer que par la réparation, la reconnaissance des exactions que j'ai subies. Ce livre est déjà un premier pas en ce sens. Je souhaite aussi, à travers lui, rendre un hommage posthume et une part de dignité à toutes les personnes qui nous ont quittés. Un drame humain de 1975 fait partie intégrante de mon histoire, tant personnelle que collective. Je ne suis demandeur ni de vendetta ni de règlement de compte. Bien au contraire, je voudrais que l'on revienne sur les événements de 1975 quand se remémore la douleur que nous avons subie, que l'on mette
des mots sur ce drame humain. Il reste à préciser les faits, les chiffres de contexte. Faut-il déterrer tout cela? Oui, j'en reste encore plus convaincu après la rédaction de ce livre. Je remercie mon ami Fatiha Saïdi qui, à partir de Bruxelles, qui est sa ville d'adoption et de cœur, m'a accompagné pendant plus de 2 ans pour m'aider à expulser ces moments traumatiques enfouis en moi. Je n'ai pas dû me perdre en longue explication, en chercher les mots qui sonnent juste car Fatiha est née en Algérie et tant son parcours migratoire que l'expulsion de ses grands-parents nous ont rapprochés et lui ont permis de me comprendre à demi-mot. Ce livre nous a aussi permis de nous connaître, de nous apprécier, de participer modestement à un devoir de mémoire qui nous est cher à tous les deux. Mes yeux s'illuminent, le moment de justice est arrivé pour moi et toutes les personnes ayant subi les affres de décembre 1975. La réparation et le pardon, la justice et le travail de mémoire collective, la fraternité entre les deux peuples, les amis et les familles réunies, c'est bien sûr une fiction, mais je vois encore y croire. Malgré tout, laissons ainsi la conclusion de cet ouvrage provisoire. Merci, Si Mohamed. Avant de passer la parole à Fatiha Saïdi, je voudrais quand même dire que cette problématique de l'expulsion des Marocains en Algérie en 1975, donc, a fait l'objet d'un séminaire organisé par Fatiha Saïdi quand il était sénatrice belge et qu'il a éventuellement convié pas mal d'académiciens et d'experts qui ont éventuellement apporté leur regard sur ce drame. Du point de vue, je dirais, droit international, mais aussi au point de vue fait historique, et qui a fait l'objet donc d'une publication du Conseil national des droits de l'homme en arabe et en français, donc il est disponible. Ça vous donne une idée un peu plus, je dirais, consistante sur les faits et sur ce problème. Et depuis donc, depuis toujours, Fatiha donc était aussi initiatrice d'une initiative au sein de Sénat belge à un moment donné sur éventuellement que ce drame soit éventuellement reconnu et fait l'objet d'une mention du Parlement belge. Et Fatiha n'a jamais cessé, il continue encore donc à explorer tous les pistes possibles pour qu'on mette toute la lumière sur ce drame et établir une certaine justice en faveur des victimes et voir aussi donc la reconnaissance par l'État algérien de ce tort et éventuellement présenter ses excuses aux victimes et réparer les préjudices qu'ils ont subis. Je dirais aussi que pour l'anecdote tout à l'heure sur le WhatsApp, effectivement, Fatiha va sûrement vous parler de ça parce que c'est un livre qui a été conçu et entre autres via un échange WhatsApp entre Moulay et Fatiha. Il va vous en parler. Donc à toi la parole, Fatiha. Merci. Merci beaucoup Abdelzak, bonjour à vous toutes et à vous tous, Sbah al Khair, Salam alaikum Jamihan. Par quoi est-ce que je vais commencer? Parce que je pense qu'il y a de nombreuses choses déjà qui ont été dites. Je vais vous dire peut-être quels étaient les 4 objectifs que j'ai poursuivis lorsque j'ai accepté d'accompagner notre ami Mohamed Moulay dans sa quête, je dirais, identitaire et dans sa quête également de mémoire et de faire la lumière sur les expulsions violentes, sur l'expulsion violente qu'il a connue au même titre que des milliers de Marocains qui vivaient en Algérie.
Les objectifs que je poursuivais, c'est d'abord la transmission de mémoire. Et j'ai fait démarrer le livre de Mohamed par sa petite fille, qui lui dit, ça c'est un fait que j'ai tout à fait imaginé, c'est sa petite fille qui lui dit, mais grand-père, quand tu parles, tu as vraiment un drôle d'accent. Et effectivement, les Marocains expulsés d'Algérie ont toujours cet accent qui les trahit. Et c'est à partir de cette question qu'il interpelle, de sa petite fille, qu'il commence à se remémorer son histoire. Et donc son histoire démarre, comme l'a expliqué Mohamed Cherfaoui, son histoire démarre. Et j'ai voulu vraiment aussi mettre l'accent, pas seulement sur les expulsions, parce que lorsqu'on parle des expulsions d'Algérie, on parle des faits. Mais avant les faits de décembre 75, il y avait des vies. Et il y avait des vies avec tout ce que cela comporte au sens de la vie. Ça veut dire que dans la vie, il y a la douleur, il y a la joie, il y a l'amour, il y a les amours brisés. Et c'était tout cela que j'ai voulu faire transparaître dans ce livre. Ce qui fait, fatalement, que j'ai beaucoup harcelé Mohamed en lui disant « Mais raconte-moi !» Et au début, il m'envoyait des textes que j'essayais de, auxquels j'essayais de redonner forme, comme l'accouchement, parce que mon ami Abdelrazak m'a désigné d'accoucheuse, donc sans diplôme, je suis devenue une accoucheuse. Et j'ai demandé à Mohamed vraiment beaucoup d'explications. Et à un moment, je lui ai dit, on arrête d'écrire et on va se parler. Ben, se parler à près de 3000 km de distance, c'est compliqué. Et heureusement que la nouvelle technologie a fait que l'on a pu se parler à distance. Je lui posais des questions et il me répondait par WhatsApp. Et donc voilà la petite anecdote WhatsAppique qu'évoquait notre ami Abdelrazak. Et un témoignage, oui, j'ai voulu un témoignage. Mais un témoignage, finalement, ça ne reste qu'un témoignage, sans aucun mépris, ni pour le livre de notre ami Mohamed Moulay, ni pour notre ami Mohamed Cherfaoui. Un témoignage, ce n'est qu'un témoignage. C'est une histoire, mais qui fait l'histoire avec un grand H. Et donc, il y a eu énormément de recherches dans ce petit livre que vous voyez. Il y a eu une recherche approfondie. J'ai visionné des heures et des heures sur, par exemple, De Gaulle, le discours de De Gaulle. J'étais voir sur Google Earth où vivait Mohamed à l'époque. J'ai demandé à des amis qui sont dans l'aéronautique de m'expliquer, de m'envoyer des photos de l'aéroport de Zaventem par lequel il est passé. Comment était cet aéroport en 75? Ce n'est pas l'aéroport de 2017, bien évidemment. Et donc, il y a eu tout ce travail de quête, de recherche, pour essayer de donner vraiment un corps à ce récit, pour le structurer également. Et le deuxième objectif, c'est le devoir de mémoire pour tous nos ancêtres qui sont décédés aujourd'hui, pour mes grands-parents, entre autres. Je voulais les réhabiliter dans leur douleur, les réhabiliter dans leur dignité. Excusez-moi. Et je voulais également... donc la transmission, le devoir de mémoire, mais également, il y a beaucoup d'histoires d'immigration. Je voulais relater ce fait comme une histoire d'immigration, une histoire qui n'est pas une histoire figée. C'est un homme qui a voyagé, qui est venu à Bruxelles. Il y avait toute une série de ses compatriotes qui partaient, qui quittaient l'Algérie, qui allaient, comme c'était le cas de mes parents, qui allaient en France, en Belgique, en Hollande. Et donc, ce sont tous ces parcours-là que j'ai voulu retracer au travers du témoignage de notre ami Mohamed Moulay. Notre ami Abdelrazak vous a dit que notre éditeur, Si Hicham Al-Alami, qui n'est pas présent, je pense, parmi nous, mais à qui nous pensons très fort et que je remercie, allait être fâché. Alors, fâché pour fâché, fâchons-le jusqu'au bout. Il y a un petit passage que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est un petit passage que j'ai vraiment volé, je dirais, à notre ami, mon ami Mohamed Moulay. C'est un moment où je le fais croiser de manière tout à fait imaginaire
mais cette scène aurait très très bien pu se passer. C'est un moment où je l'ai fait croiser dans sa cellule d'expulsion, d'où il va être expulsé. Je le fais croiser avec mon grand-père et ma grand-mère. Et je voudrais leur rendre un petit hommage aussi ce matin, si vous me le permettez, et je voudrais le partager avec vous. Et pour être plus proche de vous, je vais m'avancer, je vous prie de m'excuser, je vous tourne le dos. Je ne sais plus si je deviens fou, si je vis un cauchemar ou les deux. Jamais, jamais au grand jamais, je n'aurais cru être témoin un jour de pareilles scènes de détresse humaine. Debout contre un mur, un homme dont la taille doit bien avoisiner les 2 mètres s'est assis sur lui-même et je pense qu'il pleure. Je m'approche de lui pour le consoler, mais je réalise qu'il prie doucement dans la barbe blanche qu'il porte comme un collier. Sentant ma présence à ses côtés, il me salue tout en rectifiant sa rosa blanche sur la tête. C'est un bien mauvais jour pour nous, dis-je pour entamer la conversation. Que veux-tu, mon fils? Que Dieu leur pardonne. C'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je leur souhaite dans mes prières. Qu'allons-nous devenir? Si seulement ils pouvaient nous renseigner sur notre sort, allons-nous retrouver nos maisons? Une fois les interrogatoires terminés, vont-ils nous retenir prisonniers? Vont-ils nous expulser, comme ils l'ont fait avec d'autres de nos compatriotes et familles? Je constate que le vieil homme est, comme nous tous, en proie à un flot de questionnements et d'insécurité quant à sa situation. Je ne sais pas, je dis. Nos vies, nos sorts sont entre leurs mains et ils décideront comme bon leur semble. Tu es seul ici? Non, mon fils, la vieille dame que tu vois là-bas, avec ce petit châle sur les épaules, est mon épouse. Elle est anéantie par la douleur, car notre fils Bachir, qui n'a pas toutes ses facultés mentales, n'a pas été emmené avec nous. Il est allé travailler ce matin, quelques heures avant qu'il ne vienne m'arrêter. J'étais dans la mosquée que je dirige, et je n'ai même pas pu aller prévenir mon épouse, qui se trouvait dans notre maison adossée à la mosquée. En début d'après-midi, nous nous sommes retrouvés, mon épouse et moi, à Châteauneuf, mais notre fils n'était pas encore rentré de sa journée de travail. Nous sommes tous les deux extrêmement inquiets, car Béchir a des comportements imprévisibles et je ne sais pas comment il va réagir lorsqu'il va se retrouver devant une porte close. Car ma femme m'a dit que les policiers ont fermé la porte à clé et qu'ils ont gardé celle-ci. Ah oui, je dis, malheureusement. Je te confirme que c'est ce qu'ils font lorsque la maison est vidée de ses occupants. Pendant qu'il parle, je dévisage la vieille dame qu'il m'avait désignée comme son épouse. Elle est très légèrement vêtue et tremble de froid en ramenant sur sa poitrine un châle léger jeté sur ses épaules. Elle ne parle à personne et semble perdue dans ses pensées. Effectivement, elle a l'air fort affectée, votre Hajja, dis-je à mon vieux compagnon d'infortune. Je vous remercie. Merci Fatiha. Deux petites annonces avant de se séparer. La première, donc, pour les gens qui sont intéressés par les dédicaces des auteurs, ça se fera dans le comptoir à côté. Il y a aussi le livre de Mohamed Chraoui qui est disponible dans la croisée de chemin pour ceux qui veulent aussi les dédicaces de Mohamed Chraoui. Je remercie les efforts déployés par nos collègues qui font la traduction par langage des signes. On les applaudit parce qu'ils ont fait un effort exceptionnel. Et avec la transmission sur les réseaux, il y a bien sûr un public qui suit tout ce qu'ils font. C'est vraiment un travail professionnel remarquable. Donc je les salue au nom de CNDH. Je profite aussi de la présence de mon ami Meddoun en tant qu'historien, parce que c'est un universitaire remarqué dans les disciplines de l'histoire. Et je fais appel à lui pour éventuellement de prendre en considération cette thématique dans les recherches académiques, parce qu'il y a un besoin que les historiens se penchent aussi sur cette époque de notre histoire, douloureuse, mais c'est une page de notre histoire. Dans les relations maroco-algériennes.
Merci à vous et je cède la parole à d'autres collègues qui vont succéder pour une autre séance. Merci beaucoup. La signature, elle est à côté.